Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Butok, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Seven Deadly Sins Grand Cross sur mobile, mesdames et messieurs. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur ce jeu mobile, putain. Bah faut savoir une chose, c'est que déjà de une, c'est parce que au niveau de l'actualité de Netmarble, bah forcément il sortait des actualités toutes les 2 semaines. Donc j'avais vraiment pas envie de jouer à chaque fois pour attendre 2 semaines et au bout du compte pas avoir des trucs de ouf. Mais là, comme ils ont annoncé le ban purgatoire il y a à peu près 2-3 semaines sur la Jap et qu'ils l'ont enfin sorti sur la Glo, bah je me suis dit on va revenir sur le jeu et on va essayer de packer directement ce ban purgatoire qui est juste incroyable. Voilà, j'espère qu'il y a des gens qui ont réussi à le packer à l'heure où je parle, mais réellement c'est l'un des humains qui est le plus fort du jeu, je tiens à le rappeler, parce que littéralement il est même plus fort que mode assaut Meliodas ou même The One, alors qu'il a pas l'avantage d'attribut. C'est ouf, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est ouf. Et en fait, je vais vous montrer rapidement par rapport à ces cartes, c'est que déjà, notre cher et tendre ban purgatoire a bien sûr une attaque de zone qui fait de plus en plus de dégâts par rapport à la fulmination, donc ça augmente 20% de dégâts supplémentaires, donc plus ils ont d'orbes les adversaires, plus ça fait mal. En plus, c'est sur du multi-cible, donc ça touche encore plus. Et en plus, c'est des dégâts de fulmination égaux à 21% de ses PV max. En fait, le ban va se baser sur ses PV max pour faire le maximum de dégâts. Ensuite, sa deuxième carte, bien sûr pour buffer, elle applique un effet sur tous les alliés qui sonnent de 30% voire même jusqu'à 50% des PV perdus au début du tour allié pendant 3 tours et augmente les PV max de 30%. Donc en gros c'est un semi-healer, mais en même temps il augmente les PV max. Donc du coup si tu mets cette carte et que tu utilises la première carte, elle va faire encore plus de dommages que d'habitude. Donc ça c'est juste incroyable. Et ensuite vous avez bien sûr son ulti qui est juste Fumax. C'est inflige des dégâts égaux à 30% des PV max à tous les ennemis. Donc c'est à dire que notre fameux ban est basé sur son nombre de PV max. Ce qui fait que en fait la meilleure fusion que tu peux faire avec ce fameux ban, c'est déjà d'utiliser notre cher étendre Arthur Excalibur, qui est encore obtenable bien sûr dans les tirages. Donc c'est à dire celui-ci. Pourquoi? Parce que ce Arthur Excalibur là, il a accès bien sûr à, si tous les alliés sont humains lors du combat, en fait ça va faire qu'il va augmenter 30% les PV max, donc augmenter les dégâts du ban purgatoire et augmenter aussi de 20% les dégâts qu'ils infligent bien sûr aux ennemis, tous les alliés bien sûr. Donc ça, si vous mettez ce Arthur Excalibur là en PVP, vous allez mais littéralement fumer du jambon, je vous le dis tout de suite. Et en plus, je tiens à vous le rappeler, c'est que vous avez toujours accès à ce personnage là que je peux vous mettre en sub si c'est possible. C'est celui-ci, c'est si je me dis pas de bêtises, c'est Twingo. Twingo, lui, il va tout simplement augmenter les PV des héros d'attribut puissance de 30%. Et je crois que c'est cumulable par rapport au buff d'Arthur. Donc là, littéralement, si vous mettez ce personnage en sub, il va taper très fort, réellement. Et je tiens aussi à dire que vous pouvez mettre, bien sûr, je vais vous montrer mon équipe de PVP actuellement avant bien sûr de faire les tirages. Bah vous pouvez mettre bien sûr en joueur contre joueur cette team ici, attendez je vous la montre, voilà. Sauf qu'à la place d'Eleven, vous mettez ban purgatoire, ce qui fait qu'en fait ça va faire déjà tout ça. Vous pouvez mettre bien sûr Death Pierce pour augmenter bien sûr les dégâts crits, mais vous pouvez mettre bien sûr Twigo que je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'au moins ça augmente encore plus les dégâts du ban purgatoire. Mais ça c'est une team de base que vous pouvez faire, vous remplacez l'Eleven par le ban purgatoire et ici le Twigo, et vous allez voir que Arthur va être buffé au niveau de ses PV max, et en plus il va buffer le ban purgatoire, et en plus le Arthur va buffer les PV max de The One plus ban purgatoire. Et là je sais pas combien ils ont de PV au maximum, mais là il tape très fort notre cher étant de ban purgatoire. C'est pour ça que j'ai envie de le paquer, parce que là actuellement je joue une team full humain et c'est juste fumé en PVP, je tiens à vous le rappeler. Donc du coup on est parti, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager, à vous abonner. J'espère que vous kiffez toujours autant les vidéos sur cette DS, moi ça me fait trop plaisir de les faire à chaque fois. Et puis voilà, c'est parti, en espérant que ma chance arrive un jour ou l'autre sur ce jeu, parce que sinon je vais me plaindre et je vais aller voir Netmarble et je vais leur dire les gars il y a un gros problème, parce que la dernière fois ils m'ont régalé quand même hein, je vais pas vous le cacher, mais là j'espère qu'ils vont essayer de se rattraper un petit peu, parce que bon c'est vrai que c'était moyen au début hein. Donc là on commence très mal, on a juste un petit hawk qui est là juste plaisir tu vois, ça commence très mal. J'espère juste qu'on aura quand même genre minimum un The One ou un ban purgatoire. Moi je m'en fous d'avoir un The One parce que le The One est juste trop fort. Mais le ban purgatoire il me le faut tu vois. Genre si j'ai envie de faire des combats, il me faut cette compo. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du jeu actuellement, parce que moi je trouve que c'est pas très bien en fait qu'ils fassent des mises à jour genre toutes les 2 semaines, genre des grosses mages, parce qu'en fait ça fait que les joueurs qui sont réguliers
ne viennent plus sur le jeu. Genre moi, même moi, je ne joue plus trop au jeu. En fait, j'ai juste appris que si vous vous connectez tous les jours, vous avez accès, bien sûr, à des tickets de portail pour avoir des favors, pour avoir, bien sûr, comment il s'appelle déjà, Gowser Vert. Parce que Gowser Vert, il a tellement été réclamé sur la globale et sur la Jap, parce que des gens l'avaient pas et que c'était trop fumé, que ils ont décidé de faire une sorte de portail pour récupérer tous les personnages. Et donc du coup c'est juste ici, donc c'est en mode favor, donc c'est-à-dire si vous débloquez pas les trucs vous avez plus de chances de les avoir, et vous avez tous les personnages d'événement, vraiment tout. Vous avez même le Gobster vert ici, vraiment vous avez tout et n'importe quoi, bref c'est un truc de fou. Genre je trouve que c'est plutôt sympa en soi. Donc du coup je vais directement continuer à faire bien sûr mes petites invoques et puis voilà, on va se faire plaisir. De toute façon j'ai 400 gemmes actuellement, je referai peut-être un autre cycle plus tard, donc on verra par la suite. Pour l'instant j'ai pas mis de la CB, je suis plutôt content, c'est tout ce que j'ai économisé depuis un certain temps. Donc voilà, let's go. Imagine on l'a vraiment sur les premières invoques, hein, sur les skips, oula. Alors, ça commence bien, moi quand je vois déjà épée de lise avec un hawk, je suis content tu vois. Je suis content. Après, ça va absolument rien dire. Après, la force du skip, ça peut partir très vite. Hein. Ah, encore du jaune. Est-ce que ça va craquer? Ah, nice! Oh, on a une SSR. Ça, c'est cool. En pensant que les SSR, ils ont été choisis en sondage de la commu. Déjà que c'était parti en couille parce qu'ils avaient voté pour mettre un vieux Meliodas capitaine vert, là. Là, cette fois-ci, ils ont été un petit peu plus gentils, hein, les joueurs. Ils nous ont mis vraiment des bons trucs. Parce que là, littéralement, on allait avoir de la merde, hein, je crois. Hein. Mais là, ça va. En vrai, on a que des personnages méta. Vraiment des personnages qui vont nous servir non seulement pour les démons, mais aussi pour la JVG, si je dis pas de bêtises. Et plein d'autres trucs. Oh, la Lise. Oh, la Lise. Oh, la Lise, elle fait plaisir. Oh la Lise, elle fait plaisir. Je l'avais pas. Faut savoir que Lise, sur le dernier boss, actuellement, c'est le boss... comment il s'appelle? Le boss démon qui te permet de monter tes level 90, là. Bah, en fait, ce personnage-là va booster Starossa, va booster tous les personnages, parce que ça se paie, en fait. Quand elle est sur le terrain, elle va monter les cartes de tout le monde à chaque tour. Donc, c'est fumé, tu vois. Moi, je suis content de l'avoir eu. En vrai de vrai, j'aime bien ce portail, parce que t'as que des bons trucs, en fait. T'as pas des trucs de merde. Là, je suis content, tu vois. J'ai déjà une bonne SSR. Et ça va me servir pour faire mes démons en fait. Donc ça c'est super cool. Hop, un skip rouge. Oula, 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 oula. Petit skip rouge, le petit hawk. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. Ça va être chaud quand même. Je pense que ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud. C'est un skip bleu. On skip direct. On a le favor là ici. En event. En fait, je sais pas ce que ça fait exactement. Ah ouais, on peut avoir favor héros saisonnier. Pas assez de points de loyauté. Ok, d'accord. Ça, je présume que ça sert juste en fait pour débloquer des nouveaux personnages. Donc, du coup, on va continuer. J'espère réellement que je l'aurai sur peut-être les 600-700 gemmes que je mettrai parce que sinon je vais un peu pleurer. Bon, clignement des yeux rouges. Et voilà, façon... Oh putain, oh, j'ai de la chance. J'ai de la chance aujourd'hui, j'ai vraiment de la chance. En fait, si vous n'avez pas ban purgatoire pour le PVP, vous êtes mort. Je vous le dis clairement, vous êtes mort. Parce que il va exploser la méta, réellement. Genre, sur la Jap, c'est déjà fumé. Bah alors, j'imagine même pas sur la Glow, tu vois. J'imagine même pas. Genre là, on va avoir des trucs de fou, mon ref. On va avoir des trucs de fou. Ah mais les gars, si par contre si j'ai vraiment un ban purgatoire, genre vraiment sur les 60-80 gemmes là, ah je vais gueuler hein. Ah mais je vais gueuler très fort. Hein. Je vais me transformer littéralement en Vegeta qui a appris que Bulma s'était fait gifler par Beerus, tu vois. Réellement. Allez, allez, on y va. On y va, on y va. Bon, pour l'instant on n'a pas non plus des trucs exceptionnels. Après ça fait toujours du bien pour les médailles, genre médaille or, médaille argent. Parce que moi à chaque fois je consomme pas mal. Parce que des fois je suis en retard sur les events, du coup j'hésite pas à payer dans la boutique. Mais bon, ça fait plaisir. Après faut savoir que j'ai quand même mis pas mal de sous pour la collab Stranger Things de l'époque là, qui arrivait pas si longtemps que ça. Parce que voilà, j'étais un grand fan de la série. Donc là je fais attention à ma CB, j'essaie d'acheter les bons trucs au bon moment et puis voilà. Allez. Oh putain. Ah mais par contre des rires rouges, moi je dis pas non. Genre des rires rouges, genre boss, boss de fin, même dans boss final. Moi je dis pas non, hein. Moi je dis pas non à des rires rouges, hein. Non, non, non. Hein. Moi je trouve que j'ai pour l'instant j'ai des bonnes invoques, je suis plutôt content, j'ai utilisé que 120 gemmes.
Franchement, propre. On a une DRR rouge, on a une lise, on est bien. Faut savoir que ma DRR, je crois qu'elle est, elle est bientôt SP5, là. Là, elle va être SP4, je crois. Ah, une broche. Ça signifie le skip. Ça, je sens que c'est le skip. Ça, c'est le skip. Hop. Voilà, je le savais, ça. Je le savais. Je le savais. De toute façon, avec le PVP et tout le bordel qui va arriver plus tard, normalement, je pourrais refaire une invoque. Et des fois, ça peut arriver que ma carte, elle glisse, tu vois, ma petite CB. Donc, voilà. D'ailleurs, merci encore pour tout le soutien sur toutes les vidéos. Même sur les gens qui regardent ces vidéos-là, ça fait super plaisir d'avoir des gens qui me suivent, même pour aller dans ma guilde, etc. Mais c'est incroyable! Mais faut que je remercie tout le temps mes viewers pour avoir des SSR. Mais les gars, franchement, vous régalez. Merci à tous ceux qui me soutiennent, réellement. Je tiens tellement à vous le dire. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais de base, j'étais parti de rien. J'étais parti avec 200-300 abonnés, et ça a explosé. Et ça, c'est grâce à vous, les gars. Je tiens à vous le dire. Voilà, et merci à tous les gens que j'ai rencontrés grâce à cette magnifique chaîne YouTube. Merci encore à vous, franchement, ça fait trop plaisir, quoi. Je peux pas dire mieux. En fait, sans cette chaîne YouTube, je pourrais jamais faire ces invoques-là, je pourrais jamais faire d'autres vidéos où je fais vraiment des gros trucs, tu vois. C'est ça que je kiffe trop, en fait, avec YouTube. C'est grâce à YouTube, tu peux faire tes rêves, en fait. C'est ça qui est cool. Donc voilà, croyez en vos rêves. Si vous avez envie de faire des trucs, faites-le. Genre, n'attendez pas que ce soit les gens qui vous disent de le faire ou en mode « Ah ouais, non, mais j'aime pas, du coup, faut que t'arrêtes, tu vois. » Non, non, tu continues, fais ce que tu veux. Spécialise-toi dans un truc, montre c'est toi le patron, puis ça ira tout seul. Et voilà, moi franchement, je suis tellement content. Là, je peux me faire des petites vidéos tranquilles dans mon petit coin. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore invoquer hein, sur des jeux comme ça, je kiffe trop. J'ai toujours cette sensation d'avoir vraiment la perle rare à la fin. Allez, on y croit. On y croit. Un bon purgatoire, ça serait trop fun. Vraiment trop trop fun. En plus, les taux sont augmentés, je crois. C'est ça le pire. Allez. Ah putain. Ah j'y ai cru, j'ai vu des cheveux blancs, j'ai dit ah peut-être ban, mais non, c'est bien Chine. Après Chine, moi je dis pas non en farming, mais bon, comme je farm très très peu en ce moment, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant quand même. Allez, on continue, on y est. De toute façon, si on l'a pas, bah tant pis, on fera peut-être un deuxième round. Mais là, pour l'instant, je me régale quand même, hein, genre... Oula. Eh mais gros, régale-moi autant. Genre là, je vois une SSR qui part, mon pote. Même pas. Allez, attends, yeux qui clean, forme démon, Non mais... Ah, j'avais soif. Allez, la jaune, elle craque. La jaune, elle craque. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard. Dommage. Dommage, dommage, dommage. On est bientôt aux 300 gemmes de SSR, donc peut-être on l'aura dans le SSR. Pour l'instant, on est bien, hein, on a fait des invoques, mais franchement, propre quoi, propre, de chez propre. Branche d'arbre. Oula. Alors là, ça annonce rien de bon. Je sens le skip partir. Ah, le skip part. Hop, 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 c'est parti tout seul. C'est parti. Hop, on continue. Allez, allez. Imagine, on l'a sur les 400 gemmes. Genre juste une fois déjà, ça serait incroyable. Ce sera incroyable. Ok, forme démon. Allez, allez, allez. Allez, la net marble, là. Faut se racheter de tous les trucs que vous avez fait depuis au moins un mois, là. Allez. Ah, le tiré bleu. Ah, il fait mal, le tiré bleu. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Allez. La dernière, avoir la SSR garantie, ça serait bien. La petite dernière. Allez. Est-ce qu'il... aïe, aïe, aïe. Ouï, 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 ça pique. Aïe, aïe, aïe. Bon, tant pis, on l'a pas. Pour l'instant, on l'a pas. Maintenant, c'est... faut prier pour la SSR. Qui est garantie. Oh, j'ai un The One. Oh. Oh le The One. Oh le The One. Il passe P3. Oh il passe P3. Incroyable. Incroyable. Ah ça je suis content ça. Bon The One tu peux pas dire non mon ref. Hein. The One tu peux pas dire non. Eh. C'est un truc de ouf ça. Ah plaisir. Bah on l'a pas. Hein. Pour l'instant je tiens à le préciser on l'a pas. Branche d'arbre de Melio t'abuses un peu mon ref. Ouais je me disais bien. Je me disais bien. C'était trop beau pour être vrai. Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va invoquer un peu la chance. C'est-à-dire faire la fameuse technique de cliquer sur le fameux ban purgatoire pour essayer de caresser ces fameuses cartes.
ensuite de caresser sa douce chevelure. Genre, on va voir si ça marche. Parce que bon, des fois ça peut fonctionner. Hein. Tu vois, sur les infos là, tu fais hop, les taux. Puis hop, d'ailleurs, je vous ai même pas montré les taux, mais voilà, vous avez quand même tout ça. Vous avez pas mal de trucs, dommage, j'ai pas le sérial et tout, mais voilà. Regardez, oh là là, les belles cartes, elles sont trop belles, oh là là. Voilà, on touche la chevelure un peu, hop, ici, hop. Ensuite, on touche les petites cartes, parce que voilà, on trouve qu'il est trop beau. Voilà, hop. Même la compétence unique est juste fumax au max. Mais voilà, hop. On est reparti comme en 40. Imagine ça marche, imagine ça marche. Ça serait incroyable. Ça serait vraiment incroyable. Je sais pas d'ailleurs s'il y a des gens qui reprennent le jeu, parce que genre, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui avaient abandonné le jeu du fait qu'il n'y avait plus trop de contenu. Mais après, je peux tout à fait comprendre, il y a vraiment eu des trucs pas ouf en ce moment là. Bon alors. Eh Melio, faudrait peut-être que tu me régales un jour, hein, parce que là vraiment c'est du caca ce que tu me proposes. Réellement. Hein. Tu te fais un peu bolos par un Albion, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Excuse-moi mon ref, mais... C'est un tiré jaune, je pense pas qu'il craque. Ah, il craque pas. C'était sûr, c'était sûr. Après, la faveur, là, faut que je regarde, mais pour l'instant... En fait, déjà, repartir avec un ban purgatoire, ça s'appelle vraiment de la chatte. Hein. Faut savoir que The One, j'ai mis 900 gemmes, je l'ai eu que deux fois. Et encore, je l'ai eu sur la pity. Donc, c'est encore pire. Ok, donc là, on a un beau ciel. On a le Hawk. On a la chargement. Je sais pas, hein. Franchement, je sais pas. J'arrive pas à déterminer... quand il se passe tous ces trucs. Mmh. Allez, on y croit. La jaune, est-ce qu'elle craque? Craque, s'il te plaît. Ah, putain. Eh, c'est ouf, ça, à chaque fois que ça craque pas. Et là, t'imagines, il y a The One qui arrive, du coup, t'as deux garanties. Ce serait ouf. Ce serait juste ouf. Bon, maintenant, j'ai plus que deux invoques. C'est de la merde. C'est de la merde. Ça serait incroyable de repartir avec, quand même. Oh, Lost Vein. Y'a peut-être moyen. Y'a peut-être moyen. Priez avec moi. Allez-y. Faites une petite prière. Allez. Oh Dieu tout-puissant. Balance-nous un ban purgatoire, s'il te plaît. Allez. Allez. On y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Allez. Fous-le. Comptard. Zbiou. Oh là là. Allez. Régale, régale, s'il te plaît. Ah, en plus, c'est un tout augmenté, mec. Un tout augmenté, là. Ce serait incroyable. Il régale, t'imagines? Genre, il régale à la fin, genre. Oh là là. Ce serait incroyable. Même SP1, il est dévastateur, hein, genre, je tiens à le dire. Bon, de toute façon, vous utilisez les techniques que je vous ai dit, de mettre un Twigo et mettre un Arthur Excalibur. Bah, gros, je peux même pas t'exprimer le carnage que c'est, tu vois. Bon. Pour l'instant, on voit des bannes un peu partout, là. Là, je rigole, on a un The One. Ce serait trop drôle, quand même. Un petit The One qui pop, là. SP4. Ce serait marrant, quand même. Allez. On y croit. On y croit. Allez, je crois que c'est celle-là. Allez. Oh, c'est un The One en plus. C'est un The One. C'est un The One. C'est un putain de The One en plus. Mais c'est un truc de fou. Je l'ai dit en plus, imagine c'est un The One qui pop. Gros, ça... Oh, je sais même pas comment m'exprimer, gros, je l'ai déjà SP4. Gros SP4 The One. What? What? Mec. What the fuck? Même Ban, il est pas là, mon ref. Il est pas là, il est parti en vacances, Ban. Genre, il a dit, oh bah non, bah je viens pas aujourd'hui. Oh, et moi, ils me font mon Ban. J'ai un Ban, je mets Ban Arthur, The One. Twigo? Ils sont tous morts. Je le dis clairement, ils sont tous morts. C'est un truc de fou quand même. Bon, bah je pense pas qu'on l'aura dans cette vidéo malheureusement. Je suis un peu triste. Malheureusement, je suis un peu triste. Voilà, je vous l'avoue. Mais bon, c'est pas grave. Je reviendrai plus fort pour essayer de le paquer plus tard. Mais bon. Écoutez, au moins on aura essayé. On n'est pas reparti avec de la merde, je trouve. Donc faut être content de soi-même. Et je trouve que The One SP4, ça envoie quand même des bastos. Hein. Je tiens à le dire quand même. Bon, je sais pas ce que c'est, ça, les trucs saisonniers, là. C'est quoi, nous, héros saisonniers? Fever. Passage en mode Fever. Le prochain tirage sera gratuit avec un taux SSR à 5%.
Ouais. Je sais pas ce que je fais là, hein. Là je suis dans l'inconnu là. Ah, il y a d'autres invoques en plus. Ah ouais, d'accord. Il y a d'autres invocations. Je crois que j'ai débloqué la faveur sur l'autre truc. Voilà. Ah, c'est le taux de SRC à 5%. D'accord. Donc en fait, faut mettre des gemmes là-dedans. Plus tu mets de gemmes et plus en fait ça débloque des faveurs et après tu peux débloquer des persos. D'accord. Bah vas-y, on va le faire pour la vidéo. Taux de SSR à 5%. Voilà. Imagine on a un Gozer vert. Bah là, ça finit la vidéo en beauté. Hein. Là, taux de SSR 5%, ça veut dire que t'as minimum une chance d'en avoir un hein, quand même. Allez. Ça serait marrant quand même. Un skip rouge. Oh bah là, t'as tout là. Là ça veut tout dire, hein. Là ça veut dire bah c'est bon, on en a un là, là on te le garantit. Hop. Allez, ça part. C'est incroyable ça. On est reparti avec deux The One quand même, deux The One. C'est énorme, je trouve ça énorme. Gros, SP4 gros. SP4. What the fuck? Il faut que je. Par contre, il faut que je mette du stuff sur mon The One, hein, parce que réellement. Oh, j'en ai deux! J'ai deux SSR en plus! Oh! Oh yo yo! Bah, ça régale! C'est même pas une là, c'est deux! Allez! Oh là là! Par contre, elle, je la voulais pas, bah, je l'ai eu. Donc, Elaine aux étoiles dorées, là, ou je sais pas quoi, là. C'est même pas des étoiles, c'est des ailes, qu'est-ce que je raconte? Bon, apparemment, ça peut servir avec du stuff, mais bon, faut l'acheter le stuff, hein. Donc c'est moins drôle d'un coup. Hein? Alors bon, on n'a rien de spécial, allez hop hop, on va plus vite. Bon, un petit chapeau de cochon. Allez, on finit la vidéo en beauté, s'il vous plaît. Allez, c'est quoi la SSR, s'il te plaît? Dis-moi ce que c'est. Allez. Voilà, oh là. La fameuse Derriere en bleu. La Derriere bleue. En vrai, elle est pas mal en PvP, hein, la Derriere bleue. Je dirais pas non. Je crois qu'on a une autre faveur en plus. Non? Non, c'est sur les 190 gemmes, je crois. Je sais pas. Ouais, c'est sur 190, je crois. 190, ok. D'accord. Bon bah du coup je pense qu'on va s'arrêter sur ce truc, hein, je tiens à vous le rappeler. Voilà, donc on est reparti quand même avec deux The One, je tiens à le rappeler quand même. On n'a pas eu ban, mais je pense que ban, t'inquiète pas qu'il va sortir de la boutique à un moment. Bah je vais faire tout pour que je l'aie quand même, parce que sinon ça serait un peu con de repartir sans. De toute façon tous mes gemmes vont partir littéralement dans cette bannière-là. Donc je vais essayer d'en mettre au max, quoi. Genre, je vais pas chercher à comprendre. Et voilà, déjà, on a de nouveaux personnages dans la petite box. Et là, on a le fameux The One qui va monter, bah, SP4. C'est incroyable, gros. Je l'ai même pas monté. J'ai même pas son stuff. J'ai rien. Genre, juste, il monte. Il va taper tellement fort en PvP. En fait, de toute façon, si je passe premier tour, théoriquement, je la bats, le ban. Il est mort, mon ref. Genre, je suis désolé, mais. Gros, je lui mets deux tatanes. C'est pas possible. Bref, là, il est déjà SP4, même SP... Ouais, SP4, c'est ça. Et après, vous avez la Derriere qu'on peut monter directement SP4 aussi. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais voilà, genre, quand même, on repart avec des trucs sympas sur 400 gemmes. J'espère que vous avez de la chance, en tout cas, sur vos invoques. Et puis, moi, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, et puis aussi à lâcher un petit like, comme d'habitude. Et puis, moi, en tout cas, c'était Biotox. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.